Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que ce soir on répète. Ce soir, j'organise une répétition. Je t'en ai parlé il y a quelques semaines. Je ne sais pas, voilà, si tu suivais déjà mes vidéos, mais bon, tu sais que je suis coach vocal, donc mon boulot, c'est de trouver des solutions pour ta voix et des solutions rapides, efficaces. Et donc voilà, j'aime bien utiliser la science par rapport à cela pour agir directement sur tes cordes vocales. Ça, c'est mon boulot. Mais tu sais que je suis aussi compositeur, auteur, j'écris des chansons et ça fait maintenant trop longtemps que je ne suis pas remonté sur scène. Trop longtemps à mon goût, hein, il n'y a pas de règle, mais voilà, j'avais vraiment envie de remonter un projet. Et ça fait quelques mois là que j'écris. Et ce soir, c'est le grand rendez-vous. Ce soir, voilà, j'ai réuni une nouvelle équipe de musiciens et on va se voir pour la première fois. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça, de partager, de suivre un petit peu, je pourrais te partager ça, l'avancée de l'écriture, des répétitions, des morceaux, comment on va monter tout ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à le dire en commentaire et j'en tiendrai compte. Après, ce soir, c'est spécial parce que, alors, les musiciens, si tu veux, on se connaît. Voilà, on bosse ensemble déjà pour certains, on se croise régulièrement, tu sais, le milieu de la musique, c'est petit, et mais simplement, on n'a pas. Alors, les musiciens, si tu veux, ont déjà joué ensemble. Moi, j'ai déjà joué avec certains musiciens, mais l'équipe, la complète, moi compris, on n'a jamais joué ensemble. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Et je suis un petit peu excité de tout ça. Et en même temps impatient et en même temps j'ai un peu d'appréhension parce que est-ce que ça va marcher, je sais pas. Est-ce que la mayonnaise elle va prendre, je sais pas. Tous les musiciens ils viennent d'un univers différent de ce qu'on va jouer ce soir. Voilà, il y a des musiciens qui viennent du rock, il y a des musiciens qui font aussi de la funk, du jazz, voilà, de la fusion. Moi, c'est ce que j'aime, si tu veux, c'est ces mélanges. Hein. Mais ce soir, voilà, c'est des nouvelles chansons, personne ne les connaît. Moi, je les connais un petit peu parce que je viens de les écrire, mais toi, c'est pareil, elles ne sont pas vraiment rodées, donc elles sont encore un peu brutes, c'est à créer tout cela. Et on va voir si ça marche. Donc, c'est un peu comme un premier rendez-vous, tu ne sais pas si ça va marcher, est-ce qu'on va bien s'entendre ou pas, est-ce que l'alchimie musicale va prendre. Parce que toi, c'est important, ça ne sert à rien de bosser. Si tu as la chance de pouvoir bosser avec des bons musiciens, ce qui est mon cas, ce n'est pas pour autant que tu es sûr que ça va marcher. Et voilà, dans l'histoire de la musique, tu le vois, des fois, il y avait des super groupes. Je ne sais pas si tu connais les super groupes. Les super groupes, c'était des producteurs en fait, qui réunissaient des stars de plein de groupes pour créer un super groupe. C'était souvent des projets éphémères. Voilà, et donc tu avais genre le batteur de tel groupe, tu avais le bassiste de tel groupe, le chanteur de tel groupe, et ils créaient un super groupe. Ils faisaient ça aux États-Unis. Mais c'est pas pour autant après que tout le monde peut s'entendre, toi, et que surtout que musicalement ça fonctionne, parce que c'est ça qui est important. Toi, moi je suis vraiment très sensible à ça. Il faut que la mayonnaise elle prenne, il faut que la musique elle vive, si chacun dans son truc. Et c'est pas une histoire de qualité des musiciens, hein, tu vois, je veux dire, c'est tous des super musiciens. Ça va être une histoire plutôt d'alchimie, voilà. Est-ce que chacun arrive à sortir de son propre univers pour aller entrer un petit peu dans mon univers, dans l'univers de mes chansons surtout, et faire ça en cohérence avec les autres, tu vois, parce que chacun venant d'univers différents, en rentrant dans cet univers qui sera notre unité commune, donc ces nouvelles chansons que j'ai écrites, est-ce qu'on arrive à se retrouver là-dedans et à créer des synergies et des symbioses et voilà, et créer des choses. Il faut vraiment qu'il y ait de la magie ce soir, donc c'est ce que j'attends. Voilà, c'est un peu comme un premier rendez-vous, on peut vraiment utiliser cette image-là. On ne sait pas ce qui va se passer, on a envie d'y aller, en même temps on ne sait pas si on voudra se revoir. Voilà, alors bah, écoute, si c'est quelque chose qui t'intéresse,
Dis-le-moi en commentaire et puis à ce moment-là, je te partagerai plus de choses à propos de ce projet. Peut-être que je te ferai écouter des trucs, peut-être que je te montrerai un peu comment ça se passe, quelles sont nos difficultés. Faut pas croire que tout est facile, si tu veux. C'est pas parce que voilà, je bosse avec des musiciens pros qu'on va faire 3-4 et puis que ça va y aller. Non, on veut… évidemment, si on fait 3-4 et qu'on joue la grille, bah, ça va marchoter. On arrivera à peu près à faire le truc. Mais là, on crée, ce sont des créations originales. Donc, on crée des choses, on ne va pas faire juste 3-4 et c'est parti. Non, on va analyser ce qui se passe au niveau de la batterie, comment la rythmique elle se passe, comment les instruments ils vont rentrer un par un ou tous ensemble, comment on va gérer les énergies sur les morceaux. Bref, tout autant de choses passionnantes à explorer. Donc, j'ai hâte d'être à ce soir. Et puis, bah, écoute, voilà, je te tiendrai au courant. N'hésite pas si tu veux en savoir plus, voilà, à vraiment l'indiquer en commentaire. Ça m'encouragera à sortir la caméra, le téléphone pour filmer ces moments-là. Voilà, et puis si tu veux rejoindre, tu sais, mon cercle de chanteuses qui reçoivent quotidiennement en fait des conseils axés sur le chant, sur voilà, comment bien chanter, comment améliorer ta voix, et bien, tu sais comment faire, hein, tu cliques juste en dessous ou dans l'écran de fin et puis pour me laisser simplement ta meilleure adresse mail pour que je puisse t'envoyer tous ces conseils quotidiennement. Et bien, écoute, moi je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix et puis à vendredi. Ciao.